Combien de fois dans la vie, pour certains couples, c'est l'enfer, n'est-ce pas? Parce qu'on se noie. On se noie dans une répétition d'événements qui fait qu'il n'y a plus aucun endroit où s'accrocher. C'est la douleur suprême, l'impuissance totale. Et à ce moment-là, ce que l'on cherche comme un noyé, c'est une main à attraper. Et dans un couple, on attend l'autre. Qu'il soit homme ou femme, on attend l'autre. Et parfois, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que le profil de la personne qui est à vos côtés, c'est pas qu'elle vous aime pas, hein. C'est pas qu'elle ne veut pas faire, c'est qu'elle ne peut pas faire. Si on est avec quelqu'un qui a besoin d'apporter des solutions, d'être dans l'action pour vivre à côté d'une personne, eh bien, quand l'impuissance est totale, la personne ne sait plus comment être à côté. Et donc, s'en va au moment le plus important. Souvent, j'explique à ceux qui ont cette dynamique du faire, de leur dire, être un vigile, être juste là, dans la présence, c'est essentiel. C'est une vibration où si on peut partager l'impuissance, qu'il y en a un qui se noie et l'autre qui peut rester calme, c'est comme un enfant qui crie dans un cauchemar et qu'on dit tout va bien, tout va bien. On ne sait pas comment régler le cauchemar, on ne sait pas comment arrêter l'horreur, mais on sait que la présence calme. Elle n'efface pas la douleur, mais elle calme. Être un vigile dans l'être, être cet arbre sur lequel on se repose, est aussi une action. Et c'est le message que j'envoie à tous ceux qui savent faire, mais pas être, et qui ne peuvent pas accompagner l'autre dans l'impuissance totale et dans la douleur où l'on croit se noyer. Allez, bonne journée.